connaître la suite de nos aventures, tu as juste à t'abonner et à activer la cloche. C'est gratuit. Allez, bon visionnage. C'est parti pour une nouvelle journée de travail. Les enfants, je dois partir. J'ai un rendez-vous pour le travail. Je vous ai donc préparé une pizza. Vous avez juste à la réchauffer dans le four pour manger. D'accord, maman. Et n'oubliez pas de faire vos leçons, de sortir le chien et de ramasser le linge s'il pleut. Oui, on va tout faire. À ce soir. Allume la télé, Léa. On va faire nos leçons et sortir le chien plus tard. Je commence à avoir faim. Eh bien, on peut aller mettre la pizza à chauffer. Oui, allons-y. Oh non, Perla a fait pipi par terre. On a oublié de la sortir. Maintenant, il faut nettoyer. Oui, et moi, j'allume le four. Voilà, le four est allumé. Ça y est, le sol est propre. La pizza peut être cuite. Oui. Tu as raison, allons voir. La pizza est cramée! Mince, on n'a plus qu'à faire cuire des pâtes. Oui, tu as raison, sinon on va rien manger. On a bien mangé, je vais aller promener Perla. D'accord, je vais commencer la vaisselle pendant ce temps. Perla, avance! C'est parti pour la vaisselle. Oh non, le verre! Que se passe-t-il? J'ai fait tomber un verre. Il faut encore nettoyer. Ouvre-moi la poubelle! Ça y est, c'est propre. Super, je vais aller regarder la télé. D'accord, et moi, je finis la vaisselle. Viens voir, Léa, il pleut dehors. Oh non, on a oublié de ramasser le linge. Tant pis, ça sert plus à rien de le ramasser, il est déjà mouillé. Tu as raison. Vous avez passé une bonne journée, les enfants? Oui, mais on a eu plein de soucis. Lesquels? La pizza a cramé, Perla a fait pipi par terre, on a cassé un verre et on a oublié le linge dehors. D'accord, eh bien je vais vous aider à tout remettre en ordre avant qu'Isabelle ne rentre. Avant de regarder le gag de Tonton Mouti, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi et active la cloche. Comme ça, tu seras averti de nos prochaines vidéos.